Bonjour, mes chers élèves de CE2. Je vous présente quelques révisions de cours de langue à l'occasion de ces vacances. Bonnes vacances. عطلة سعيدة للجميع أيها التلاميذ. أقترح عليكم مراجعة. Grammaire. La phrase. C'est beau, j'ai idée. J'observe et je découvre. لكي تفهموا تستوعبوا الدرس يجب عليكم القيام بهذه الأنشطة. J'observe et je découvre. Recopie seulement les suites de mots qui sont des phrases. Justifie ton choix. Bon, on a écrit le règlement de la classe. Range vos cahiers. Il est interdit de copier. Je ne suis pas au courant. Ce sont des phrases. Parce que les mots sont en ordre. Aussi, elle a un sens. Elle commence par un majuscule et se termine par un point. Ça veut dire elles sont écrites correctement. Par contre, il ne parle les voisins pas avec son. On peut parler l'élève doit. Ce n'est pas une phrase. Ils sont mal ordonnés. Les mots sont en désordre, mais elles n'ont pas de sens. C'est 6 suites de mots. Observe les phrases encadrées, à ton avis, laquelle est correcte et justifie ton choix. Alors je lis, les élèves écrivent un règlement, il n'y a pas de majuscule ni point. Les élèves écrivent un règlement, il commence par majuscule et se termine par un point. Alors je crois que les élèves écrivent un règlement, c'est une phrase écrite correctement. Pourquoi les mots de certaines lignes ne forment-ils pas une phrase? Par quel signe de ponctuation la phrase commence-t-elle? Par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Peux-tu citer différents points? On peut dire pourquoi les mots de certaines lignes ne forment-ils pas une phrase? Il y a une différence entre une phrase et la ligne. La phrase commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Par contre, la ligne peut contenir plusieurs phrases. Par quel signe de ponctuation la phrase commence-t-elle? Par une majuscule, bien sûr. Et par quel signe de ponctuation se termine-t-elle? Par un point. Il n'y a pas uniquement un seul point. Il y a point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Bon, vous pouvez retenir la leçon d'après la page 52. Ce que je dois savoir, pas 52. D'accord? Je choisis pour vous cet exercice, cinquième exercice. Supprime tous les mots que tu peux écrire trois phrases plus courtes. Je vous donne un exemple. Supprime tous les mots que tu peux écrire trois phrases plus courtes. C'est l'objectif de ce cours. Il y a dans la cour de récréation, lentement, et, on va éviter ça. Bon, on dit, la maîtresse explique la règle du jeu à ses élèves. Il vaut mieux de garder uniquement sujet, verbe et complément. La maîtresse explique la règle du jeu à ses élèves. Il vaut mieux d'écrire de cette façon. La maîtresse explique la règle du jeu ou la maîtresse explique la règle du jeu à ses élèves. On a, lorsque la cloche sonne, on doit écrire en silence. On garde toujours les enfants entrent dans la classe, avec majuscule bien sûr. Les enfants entrent dans la classe. Ou les enfants entrent. On peut dire les enfants entrent. On a donc le choix. Les enfants entrent dans la classe ou les enfants entrent seulement. Et dès le premier jour, on ne doit pas l'écrire. On écrit seulement le directeur fait respecter le règlement. Alors, la bonne réponse est la maîtresse explique la règle du jeu ou la maîtresse explique la règle du jeu à ses élèves. Les enfants entrent ou les enfants entrent dans la classe. Et après, on dit le directeur fait respecter le règlement. Vous pouvez faire d'autres exercices oralement, surtout l'exercice 1, 2, 3 ou 4.
D'accord? Voilà, on passe maintenant à la conjugaison. Maintenant, c'est la conjugaison, le passé, le présent, le futur. J'observe et je découvre. Je lis les phrases suivantes. On va lire les phrases et après, on va répondre aux questions d'observation et découvrir pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui, une sorte de révision. Je lis les phrases suivantes. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. Demain, ce sera peut-être mon tour. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. En ce moment, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. Je place le numéro des phrases sur la ligne du temps après l'avoir recopié. Voici la ligne du temps. L'action a déjà eu lieu, c'est le passé. L'action se passe maintenant, c'est le présent. L'action se déroulera plus tard, c'est le futur. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur, je dois placer ici. 1. 2. Demain, ce sera peut-être mon tour. Ici, l'action se déroulera plus tard, c'est le futur. Aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. C'est 3, ici. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. C'est 4, ici, dans le passé. En ce moment, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. C'est 5, je dois placer au présent, ici, le présent. Alors, le passé. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. Alors, uniquement c'est 1 et 4. Alors, hier soir, je l'ai apprise par cœur. La semaine dernière, la maîtresse nous a reproché de ne pas savoir la poésie. L'action a déjà eu lieu, c'est le passé. L'action se passe maintenant, c'est le présent. On a donc, aujourd'hui, j'attends que la maîtresse m'interroge. Et en ce moment, c'est mon ami Hichem qui essaie de la réciter sans se tromper. Alors, c'est 3 et 5 ici. L'action se déroulera plus tard, c'est le futur. On a demain, ce sera peut-être mon tour, c'est 2. Et aussi, non, seulement 2. Voilà, demain, ce sera peut-être mon tour. Voilà, 2. Dans un texte, les actions peuvent se dérouler à différents moments. Lesquels? Le passé, le présent, le futur. Quels mots peuvent préciser que l'action se déroule dans le passé? Par exemple, hier soir, hier, la semaine dernière, etc. Dans le présent, par exemple, aujourd'hui, en ce moment, dans le futur, par exemple, demain. Ce que je dois savoir, page 54. Vous pouvez ouvrir à la page 54 et vous allez retrouver plus de précisions, plus d'informations concernant le passé, le présent, le futur. Le passé, le présent, le futur, là, déjà, خصوص الدرس الأول ديال الكونجيزون المهم هنا عندنا عدة أنشطة مثلا غوكوبي سولمون لي مو و غروب دو مو كي انديك لو باسي خاصك تجنبو بيان سور لو بريزون و لو فيتور غوكوبي سي تخوا فراز دون لودر و إل سون ديرولي فو كومونسي توجو باغ Hier, après aujourd'hui et à la fin demain. Hier, par exemple, hier, nous avons appris une nouvelle leçon. Aujourd'hui, nous faisons un devoir. Demain, nous découvrirons nos notes. Alors, pour 3, on va laisser plus tard. 5, pardon, 4, dans l'exercice numéro 1, choisis un mot
au groupe de mots pour compléter la phrase suivante. J'aimerais être pompier. Par exemple, j'aimerais être pompier. On dit plus tard. Plus tard, j'aimerais être pompier. Nous avons regardé un documentaire sur le feu, par exemple avant-hier ou hier, etc. Voici une phrase au présent. Imagine ce qui a pu se passer avant, ce qui se passera après. Écris des phrases pour composer un texte court. Le maître regarde le genou de Farid, etc. Peut-être que Farid a eu un accident. Et peut-être aussi Farid va soigner son genou plus tard. Alors, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est 3. Trouve les phrases qui indiquent le futur et recopie-les. Je vous donne un exemple. Trouve les phrases qui indiquent le futur et recopie-les. Nous retournerons en classe. Nous retournerons en classe. La cloche sonnera à la fin de la récréation. Elles proposeront un nouveau règlement. Je terminerai mes devoirs après le goûter. Alors, on a uniquement ces 4 phrases. Nous retournerons en classe. Regardons s'il vous plaît le verbe. C'est au futur. Nous retournerons. La cloche sonnera à la fin de la récréation. Sonnera. C'est un verbe au futur. Ils proposeront un nouveau règlement, proposeront, c'est un verbe au futur aussi, et terminerai. Je terminerai mes devoirs après le goûter. Alors vous allez tout simplement recopier ces 4 phrases dans cet exercice. Trouve les phrases qui indiquent le futur et recopie-les. Nous retournerons en classe, la classe sera à la fin de la récréation. Ils proposeront un nouveau règlement, je terminerai mes devoirs après le goûter. Alors, on va voir maintenant l'orthographe. Alors, aujourd'hui, c'est orthographe. La lettre G. J'observe et je découvre. Dans le texte ci-dessous, trouve les mots contenant la lettre G, puis range-les dans le tableau après l'avoir recopié. On a G, comme dans règlement. On a J, comme dans page. On a Y, comme dans ligne. Et la lettre G ne se prononce pas. Je lis le texte. Dans notre classe, nous avons écrit un règlement, plus d'une vingtaine de lignes, et nous avons tous signé en bas de la page. Si on fait une bêtise, on se fait gronder et on doit copier 20 fois la règle. Alors, plus de bagarres, plus de plaques, ni de rigolades. Tolérant. Plus d'agitation dans la classe, oh, personne ne fait le guignol, plus de soupirs en corrigeant les dictées ou lorsque nous rangeons nos affaires, nous sommes devenus sages comme des images. Alors, on a ici des mots règlement, vingtaine, ligne, signé, page. Gronder, vin, bagarre, blague, rigolade, rang, agitation, guignol, rongeant, sage, image. Et bien sûr, on a ce tableau. Il y a des mots comme dans règlement, ça veut dire G se prononce comme K. Il y a des mots comme page, où G se prononce G normalement. Il y a des mots où
il y a le sanglier comme la ligne. Il y a des mots dont la lettre G ne se prononce pas. Alors ici, devant quelle voyelle aux consonnes la lettre G transcrit tel le son gué. On sait déjà que G devant A se prononce ga, ou G devant O se prononce go, et G devant U se prononce gu. Et aussi devant L, R. D'accord? Comme glace, comme gris. Voilà. Devant quelle voyelle la lettre G transcrit-elle le son J? Devant E comme je, devant I comme J et devant Y comme J. Devant quelle consonne la lettre G transcrit-elle un autre son? C'est le son ñ devant la lettre N, certes. Ce que je dois savoir par 53, toujours pour savoir plus d'informations sur cette leçon de grammaire. Ah, il y a ici pas mal d'activités. Alors, je choisis pour vous cinquième activité, complète le mot par gu ou nier. D'accord? Alors, pour vous aider un peu, on a la correction de ces exercices, complète les mots par gu ou nier. Par exemple, on dit une bague, la fatigue, une montagne cette fois, avec le son nier. Il est mignon, avec le son nier. Un agneau. Elle se déguise, voilà. Un signal. Il conjugue, il soigne un guitare. Alors il faut se méfier toujours des leçons d'orthographe parce que c'est pas facile, hein. Bon, on passe maintenant au vocabulaire. Alors, vocabulaire, l'ordre alphabétique. Les leçons vraiment très simples. C'est comme l'exemple de CE1. Alors, maintenant, l'ordre alphabétique. Parce que les lettres, soit dans le dictionnaire ou l'alphabet, sont en ordre alphabétique. Recopie la liste des mots. Et entoure la première lettre de chacun en rouge. On a arrivé, bureau, classe, toit, enfant, formule et voix. A, B, C, D, E, F, G. Alors les mots sont rangés dans un ordre alphabétique, puisqu'il y a A, B, C, D, E, F, G. Observe où sont placées les lettres entourées dans l'alphabet. Remarques-tu? Voilà, c'est en ordre alphabétique parce que commençons par A, l'autre commence par B, l'autre C, D, E, F, G. C'est l'ordre alphabétique. Les lettres sont rangées dans un ordre alphabétique. Bon, quel mot choisirais-tu pour continuer la liste activité heure élève? Alors, on commence par activité tout d'abord. C'est le début. Après, c'est arrivé. Heure. Alors, on a la lettre H. Elle se classe normalement à la fin. Alors, on dit FGH. Heure. On a élève. Elle se classe normalement entre enfant et formule. N, M, N, O, P, Q. Alors, normalement, c'est doigt. Entre doigt et enfant. Entre doigt et enfant. Parce qu'il y a la lettre L ici. Il y a la lettre N. Alors L est avant N. On dit arrivée, bureau, classe, doigt, élève.
Après, c'est enfant. Observe cette nouvelle liste, cartable, chaise, classeur, copie, crayon. Explique comment on a fait pour ranger ces mots dans l'ordre alphabétique. Normalement, la première lettre, c'est la même, c'est la lettre C. On passe à la deuxième lettre. A, H, L, O, R. Voyez-vous? A, H, L, O, R. Alors, lorsqu'on trouve la même lettre, on passe à la deuxième. Lorsqu'on trouve la même chose pour la deuxième lettre, on passe à la troisième. Et ainsi de suite. Voilà. On continue. Je choisis pour vous l'exercice 5. Écris les mots de chaque liste dans l'ordre alphabétique. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Alors, pour vous aider un petit peu, j'ai classé ici numéro 1. Vous suivez la même chose. Écris les mots de chaque liste dans l'ordre alphabétique. Alors, on a ici parler, copier, gronder, écrire, lire. Vous commencez par copier et ainsi de suite. Jeu, récréation, cours, ballon, marelle. Vous commencez par ballon et ainsi de suite. Vous classez après. Toujours suivant la première lettre. Orthographe, calcul, poésie, lecture, musique. Vous commencez par calcul. Vous suivez avec les autres. École, gymnase, bibliothèque, cantine et piscine. Vous commencez par bibliothèque puisqu'il y a la lettre P. Vous choisissez uniquement la première lettre de chaque mot. D'accord? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est comme une sorte de aussi révision des cours de langue pour les élèves de CE2. Au revoir et à très bientôt.